Tout d'abord, respect et humilité devant les autorités coutumières présentes et devant toute l'Assemblée. Il y a 10 ans, j'avais 20 ans. J'étais en France pour mes études, loin de chez nous. Je suis partie pour me former et je savais surtout que j'allais revenir pour participer à la construction de mon pays. Je fais partie de cette nouvelle génération qui a grandi dans un milieu indépendantiste et qui a eu l'opportunité de se faire elle-même ses propres convictions, tout en respectant les convictions de mon entourage. Le référendum du 4 novembre prochain, sachez que nous les jeunes, on y va en confiance. Nous poursuivrons le chemin parcouru et nous ferons tout pour être à la hauteur de nos aînés, en restant toujours fidèles à nos convictions, pour qu'à notre tour, nous montrions la voie aux générations futures. Grégoire disait dans sa chanson, on n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, mais chacun de nous est vivant avec la même couleur de sang. Ces paroles illustrent bien ce que la jeunesse veut porter et transmettre. Oletia Tiahuat. Depuis des années, je parcours le monde et je porte les couleurs de la Nouvelle-Calédonie dans des compétitions internationales. J'ai participé aux championnats du monde, aux Jeux paralympiques, au marathon de New York, Londres, Paris, aux championnats d'Europe. Chaque fois que j'ai gagné un titre, chaque fois que nous avons remporté des victoires, j'étais fier pour mon pays. Fier de nos jeunes, de toutes les cultures et de toutes les couleurs, qui ont fait briller notre caillou au-delà du récif. Fier d'être calédonien et français. Fier de montrer au monde que mon pays est capable de surmonter son passé, ses traumatismes, ses handicaps, pour se hisser au plus haut niveau. Aujourd'hui, ce n'est pas un sportif qui s'adresse à vous, mais un Calédonien. Parce que, comme vous, je pense que nous avons un défi à relever ensemble, le 4 novembre. Et j'aimerais qu'on soit capable, comme nous le faisons sur les terrains de sport, de montrer l'exemple. Je sais que nous ne partageons pas tous la même vision de l'avenir de notre pays. Mais je suis sûr que nous sommes capables, malgré nos divergences, de faire un nouveau pari sur l'intelligence pour préserver la paix que Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou nous ont laissé en héritage. Cet héritage, il nous appartient de le transmettre aux nouvelles générations qui veulent s'engager dans la construction du pays. Nos jeunes ont besoin de modèles à suivre. Ils ont besoin d'un espace de liberté et de sécurité pour s'épanouir. La France nous offre cette chance. Je suis éducateur sportif et papa d'une petite fille de 8 ans. En tant qu'adulte responsable, impliqué dans la construction de mon pays, je sais que nous avons le devoir de poursuivre sur le chemin de la paix et du vivre ensemble. Et je sais que c'est au sein de la République que nous y parviendrons. Le 4 novembre, construisons, par le dialogue entre Calédoniens, un avenir dans la France aux couleurs de la paix.